Justement, on se prenait de le faire une vidéo à propos du match Lyon-Marseille. Ça serait comme ça, vous avez un maximum de likes pour ça, dans un match, ça n'a pas déjà fait. Et puis voilà, donc aujourd'hui, on va faire le résumé du match Lyon-Marseille, comme je dis pour ma série MFC TV. Le match est terminé sur le score de 2 buts à 0 pour Lyon qui était à domicile. Un match extrêmement important pour le compte de la Ligue 1, tout simplement. Donc, bien sûr, ces deux équipes-là jouent pour la deuxième place actuellement. Bon, ils veulent bien sûr décrocher la première place, c'est leur objectif ultime. Mais comme on voit que le PSG est vraiment paraît imbattable, limite, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour eux. Ils visent plutôt la deuxième place avec Monaco et Lyon et Marseille, quoi, tout simplement. Et aujourd'hui, Lyon a pris une petite avance quand même sur Marseille. Et Marseille, justement, qui prend du retard sur Monaco. Et Lyon, alors à propos de ce match-là, on a eu un but de Fekir et un but de Mario Le Jazz. Un but de Fekir, déjà très étonnant quand même que Mandanda s'est complètement troué. C'est vrai que Mandanda, normalement, c'est un bon gardien, tout ça. C'est vrai que cette saison, je le trouve un peu en dessous d'habitude, même si je trouve qu'il a toujours un assez bon niveau. Aujourd'hui, la petite bourde qu'il a fait, ça a quand même coûté cher à son équipe. Et je pense qu'il a de quoi regretter un petit peu ce qu'il a fait. Bah bon, après, on peut dire que ça arrive, mais Marseille n'a pas su relever la tête de l'eau dans ce match-là. Lyon a très bien joué, ils ont pas toujours eu la balle tout ça, mais c'est vrai qu'ils ont quand même été bons et su concrétiser quand même le peu d'occasions qu'ils ont eu, parce que Marseille ont plus eu la balle et tout ça, mais ils ont quand même eu du mal, hein. Ils ont beaucoup plus eu du mal que Lyon à mettre des buts. Moi je trouve que d'un autre côté c'est quand même mérité du côté de Lyon, parce qu'on sent quand même que les joueurs avaient plus envie sur le terrain. J'ai l'impression que chez Marseille c'était un petit peu nonchalant tout ça, alors que du côté de Lyon ça y allait vraiment, il y avait des courses de 80 mètres, tout ça, ça allait à fond du côté de Lyon, alors que du côté de Marseille, c'était un petit peu nonchalant, je trouve, après, c'est mon avis, hein. Donc voilà. C'est toi, votre avis dans les commentaires à propos de ce match-là. Moi, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est mérité de la part de Lyon. Ils ont quand même pas fait jouer Memphis Depay et Traoré, ils ont mis sur le banc, ils ont fait jouer les deux petits jeunes, Aouar et Maxwell Cornet. Ils ont fait un bon match, les deux. Aouar, vraiment, moi, je pense qu'il a un superbe avenir ce jour-là. Il a prolongé avec Lyon, j'ai envie de voir si. J'ai hâte de voir simplement son avenir à ce joueur-là, parce qu'il a beaucoup d'avenir. Ce joueur, il est très très fort. Du côté de Marseille aussi, hein, au niveau des petits jeunes, il y a Maxime Lopez. Après, Maxime Lopez, je trouve que au début, on le considérait comme un futur très très grand, un futur Iniesta ou quoi. Je pense qu'en ce moment, il est plutôt au top de ce niveau. Il faudra vraiment qu'il reprenne son niveau et qu'il continue tout simplement à progresser, parce que pas trop. Après, dans ce genre de match-là, c'est pas très simple pour lui, hein. Et quand même, du côté de Marseille, il y a eu quand même. Quelques bonnes choses, notamment je pense Luis Gustavo, j'ai un petit peu du mal à le dire. Luis Gustavo qui a fait un pas si mauvais match que ça, il aurait pu faire mieux bien sûr, mais au niveau des passes, tout ça, ça reste quand même toujours le même Luis Gustavo. Cette saison, il est quand même très constant. Et bon, je pense que Florent Thauvin aurait pu proposer un petit peu mieux dans ce match-là, on l'a très peu vu, mais je pense qu'il aurait été capable de faire mieux. Au niveau des attaquants du côté de Marseille, Germain n'a pas fait le nécessaire et Mitroglou ça va vraiment pas avec ce joueur-là. Pour moi, ça m'étonnerait vraiment pas qu'au mercato hivernal il quitte Marseille. Il ne va vraiment pas, il fait n'importe quoi. Même Sakai, je sais pas si vous avez vu, lui disait de venir se proposer pour faire un centre, parce que le mec, sa principale qualité c'est son jeu de tête et il se propose même pas pour faire des têtes, quoi. Enfin, je veux dire, vraiment, le Mitroglou, franchement, ça va pas du tout. Et je pense que Marseille doit vite faire quelque chose pour trouver un nouvel attaquant. Et puis voilà, donc sinon c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous donne pas mettre un like, et puis sinon moi je dis peace.